Salut à tous, c'est Crozu, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve sur Rainbow Six Siege, comme vous avez pu le voir en intro. Et voilà, on va faire une petite vidéo, voilà, on va attaquer l'année 2016 en bonheur, en douceur, en tout ce que vous voulez. Donc j'espère que vous avez été gâtés à Noël, j'espère que vous avez passé un beau réveillon et tout ça. Et puis voilà, donc moi à l'heure où je fais la vidéo, on est le dernier jour de 2015, je vais faire le réveillon dans quelques heures. Et j'ai décidé tout simplement de vous faire cette petite vidéo. Voilà, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre les bases du truc. Alors j'ai pas vu si on est en quoi. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on se retrouve donc sur Rainbow Six. Donc pour ceux qui connaissaient pas, enfin qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est tout simplement c'est des attaquants contre des défenseurs. Donc les défenseurs vont devoir défendre soit un otage, soit deux bombes, soit une seule bombe. Et ils vont devoir défendre, c'est un peu des terroristes en fait. Et les attaquants, ce sont nous, les flics. Donc là, je vais jouer attaquant. Ce sont les flics qui, eux, doivent. Ils doivent tout simplement aller tuer les terroristes, ou alors désamorcer les bombes, ou prendre l'otage. Donc c'est du jeu. Excusez-moi, en 5 contre 5. Donc ce sont des équipes de 5 contre 5. Donc là on est flic, donc là j'ai mon genre de petit drone qui roule. Et faut que là c'est la phase de préparation. C'est-à-dire qu'en gros on a quelques secondes pour aller rentrer dans le lieu et de trouver les bombes et les ennemis. Donc là j'ai pu trouver directement la bombe où c'est calé. Et là on voit les ennemis. Donc là je reste appuyé donc sur triangle. Donc on est sur PS4 hein. Et donc je reste appuyé sur triangle pour tout simplement montrer les ennemis où c'est qu'ils sont et dire à mes alliés où c'est que sont les bombes. Tout simplement. Donc hop là, donc là c'est fait. Donc là c'est plus moi qui contrôle, parce que le mien a été s'est fait niquer par les alliés, parce que enfin par les ennemis plutôt. Parce que les ennemis ils vont voir les drones et ils peuvent s'ils tirent dessus, ils peuvent les niquer. Hop là. Donc à chaque fois que tu repères quelqu'un, ça te fait des points. Et après ça te fait tout simplement des phases. Après t'as la phase d'action, donc là c'est-à-dire que tu spawns en gros. Et puis là, après, il faut attaquer et tout ça. Donc, ça se joue beaucoup au son. Il faut beaucoup écouter les sons. Parce que ça va vraiment se jouer à ça. Pour lui, ah, très bien. J'ai beaucoup de bugs en ce moment. Chaque fois que je fais du rappel, je suis bloqué comme un con. Donc là, on va tenter. Non, je peux pas le mettre là. Donc là, en gros, faut aller trouver. Putain, il m'a fait peur lui. En gros, là, faut aller aux bombes. Ah, là, il a. Donc, protégé. En gros, faut aller aux bombes. Et faut essayer de niquer les bombes. Donc, là, moi, j'ai un genre de spécialiste. Enfin, de spécialiste, c'est ma spécialité. J'ai mis Fuse. Il va lancer des petites grenades. Donc, là, en gros, j'envoie plein de grenades à travers le mur. Et bon, j'ai niqué personne. Alors. Non. Je voulais pas descendre, mais c'est pas grave. Trop tard, c'est fait. Donc là, on va essayer de protéger celui qui a le désamorceur, qui va le poser. Et en attendant, faut essayer de niquer les autres. Hop là. Donc là je viens de faire un petit kill, c'est plutôt sympathique. Un petit deuxième, c'est la fête, et l'autre il est derrière le comptoir là-bas. Voilà. Ah merde. S'il vous plaît, ranimez-moi. Les gars, s'il vous plaît, faites pas les bâtards. Merci. Donc on peut ranimer les coéquipiers qu'une seule fois, je crois. Je sais pas si on peut le faire 40 ans. Là! Ça c'est fait. Donc là, bah, j'ai fait 12, 3. Donc ça met 0 élimination. Donc je bug, hein, on va dire. Donc je crois que j'ai fait 3 éliminations. C'est plutôt pas mal pour une première partie là. Donc on va voir un peu. Donc là, on va prendre Castle. Bon, on va prendre Rook. Nanana. Hop là, confirmer l'élément. Donc on a plusieurs défenseurs et plusieurs attaquants. Donc on peut prendre par exemple chacun à sa spécialité en gros. Là par exemple j'ai pris Roux, donc en fait il va déployer
des genres de gilets pare-balles qui sont plus. Ouais, des genres de gilets pare-balles que l'on n'a pas de base. Ensuite, d'autres, par exemple Castle, celui que je voulais prendre au début, il va pouvoir renforcer certains murs et tout ça. Et voilà. Et franchement, moi je trouve vraiment ce jeu vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc là, on est au sous-sol. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Donc là, vous voyez déjà, paf, il y a les petits drones. Mais faut faire gaffe parce qu'il y a du tir allié activé. Donc faut pas niquer ses alliés en essayant de niquer le drone. Et c'est un jeu très stratégique. Parce que quand tu es 5, en fait, ça va être l'objectif, c'est de faire de la stratégie pour essayer de bien niquer et tout ça. Donc là, ils font chier ces bordels là. Hop là. Oh merde, faut que je pose ça là. Allez, les gars. Hop là. On met le barbelé, comme ça on va les entendre et eux ça les ralentit. Et en même temps on les entend. On va barricader ça. Hop là. Donc là ça arrive de là. Oh putain. Oh là là. On va se barrer. What? Ah d'accord. Il y a des lags, des lags. Tout va très bien. Putain, il y a l'autre. Oh merde. Voilà, je suis mort. Bon, je suis premier de la game, j'ai fait 3 illuminations et une mort, c'est plutôt sympa. J'ai un ping de 110, ça c'est un peu moins sympa en fait. Hop là, donc là on va passer à cinématique, on s'en fout. Et après on a accès aux caméras, qu'on a un peu piratées je pense. Et là après on peut donner la position des ennemis à nos alliés. Donc là on a une caméra ici, c'est plutôt cool. Donc là on peut voir l'ennemi là-bas. On peut, oh ben on peut en voir un ici et on peut voir les deux. Donc là, eux, ils peuvent niquer ma caméra pour plus qu'ils soient repérés. C'est peut-être ce qu'ils vont faire, donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop bouger. Et donc là, le gars va poser. Faudrait que l'autre il se dépêche là. Putain. Et moi, ce qui est bien, c'est que là, à chaque fois, je le. Merde. Je dis où il est. Vas-y, ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux, le nique là. Nice. Et maintenant après faut qu'il désactive le truc et puis c'est gagné. Donc voilà, donc c'est un jeu franchement vraiment moi j'ai toujours adoré ces petits jeux de simulation de trucs où t'es un peu flic et tout, tu montes en rappel, comment dire, tu prends les zones, enfin oui tu prends les quand tu rentres dans un bâtiment, tu prends les tu fais pièce par pièce, tu fais doucement, t'avances, t'écoutes les bruits. J'ai toujours aimé ce type de jeu, mais à chaque fois il n'y avait pas vraiment de jeu qui le faisait. Et reprendre Fuse, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que ce jeu, quand il est sorti au début, je savais pas que c'était ça. Puis en regardant des vidéos et tout, je me suis dit putain, c'est gavé. Et puis voilà, donc du coup, ben, j'ai eu le jeu à Noël. Et franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Donc là, on va voir un peu s'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense qu'il doit y avoir moyen normalement. Ils ont 2-0 pour. Ah, mais pour nous, ouais, non. Ouais, donc il y a moyen qu'on la gagne celle-là. Alors on va rentrer ici. Alors est-ce qu'ils sont en bas? J'entends du bruit, ils m'ont pas l'air d'être là. Donc ils sont pas en bas. Donc on va aller voir en haut. Après ce qui est bien en tactique comme ça, c'est que chacun prend. S'il y a rien. Ils ont localisé où? Ah, mais non, mais c'est bon. Après, ce qui est bien, c'est faire des tactiques par équipe. Enfin, quand on est 5, chacun prend un étage, par exemple, ou ils sont 2 par étage. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Hop là. Et donc là, on est vous parti. Alors. Quelle stratégie pouvons-nous adopter? Ils veulent tous passer par là-bas? Il faut un contournement de la situation.
Et c'est moi qui ai le désamorceur. Donc on va tenter de désamorcer bien comme il faut. Prends pas cela. Qu'est-ce qui branle? Moi je serais plutôt d'avis de passer par En plus on était repéré, putain, fais chier. Allez, monte, monte, monte. Dépêche-toi. Merde, il y a l'autre qui est mort. Putain, elle est où la caméra là? Ça casse les couilles ça. On va tenter ça. Je suis un peu concentré. C'est du 4 contre 1, on va essayer de descendre. Oh merde, il m'a niqué. Il m'a niqué, GG. Il m'a turn. Je me suis pris un petit turn, mais bon, ça va. C'est pas non plus, je veux dire, voilà. Je me suis pris un petit turn, donc voilà, 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 voilà. J'ai fait 3ème session, je suis premier quand même, hein. Je suis plutôt sympathique. Et donc là, on a la victoire parfaite. Est-ce que c'est pas beau, les amis? Mais si, c'est beau. Oh bah on va s'arrêter là, je pense, 12 minutes, c'est plutôt sympathique. On a fait une bonne petite game, j'ai pu bien vous expliquer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et tout ça. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire, enfin ma chaîne secondaire, ma deuxième chaîne YouTube, Tout Savoir Sur, vous avez les liens dans la description. Et puis voilà, bon allez, ciao tout le monde.